Alors, on va un petit peu changer d'atmosphère, voilà, puisqu'on va évoquer d'autres influences et d'autres croisements de chronologie et de géographie, puisque donc je vais vous parler de ces deux objets, surtout de l'un, donc du plat aux rapaces de William De Morgan, qui appartient aux collections du musée d'Orsay, et que j'ai choisi de confronter à cette coupe à l'aigle, daté autour de 1000, qui provient d'Égypte, qui est conservé au Metropolitan Museum of Art de New York. Donc pourquoi ces deux objets bon, ça ne demande pas forcément des développements extrêmement compliqués à ce stade. On voit qu'il s'agit formellement du même objet, c'est-à-dire que ce sont deux plats, forme assez simple, que ce sont des techniques similaires, puisque ce sont deux objets en céramique dite lustrée. Donc, c'est-à-dire, ce qui n'est pas forcément aisé à voir sur une reproduction, mais je vous invite à aller voir en tout cas l'objet de William De Morgan dans nos salles, ce sont des céramiques qui ont la particularité d'avoir un fini irisé. Donc cette irisation, due à la présence, pour en parler simplement, on pourrait y passer des heures, d'oxyde métallique cuit dans une certaine atmosphère dans le décor, qui leur donne donc un effet tout à fait remarquable, cuivré plutôt pour le plat de De Morgan, doré plutôt pour la coupe à l'aigle égyptienne. C'est cette technique qui est donc apparue au Moyen-Orient autour du 10e, 11e siècle, a connu des réminiscences régulières et a voyagé, notamment dans le bassin méditerranéen. Ses jalons les plus importants sont notamment la céramique andalouse mauresque, dite mauresque, donc introduite dans l'ère ibérique, puis la majolique italienne, on en parlera tout à l'heure, du 16e siècle et de la Renaissance, qui va renouer également avec ces techniques et dans un style tout à fait renouvelé, en reproposer une interprétation. Donc voilà, je vous ai fait ici un petit panel d'autres plats qui auraient pu être rapprochés d'une autre, et pour vous donner une idée du spectre chronologique et géographique que cette paire nous fait traverser, donc puisqu'on passe du 11e au 19e siècle, et de la Méditerranée au bord de la Tamise, puisque William De Morgan est en effet installé principalement à Londres. Alors sa personnalité est éclairante par rapport à l'objet, donc elle mérite qu'on la détaille un peu. William De Morgan est un artiste, je dirais, de vocation, commence une formation relativement classique de peintre et fait vite face à une double désillusion. D'une part, une désillusion par rapport à l'enseignement académique de la peinture en Angleterre au milieu du 19e siècle qui lui semble ne pas convenir à ses aspirations, et d'autre part, une désillusion personnelle sur sa capacité à devenir un grand peintre.
Mais manifestement, c'est un esprit qui a de la ressource, puisque face à cette situation, et aussi grâce à des rencontres, puisqu'il va fréquenter le milieu des pré-raphaélites et le milieu des arts and crafts en Angleterre, il va trouver d'autres centres d'intérêt, notamment dans les arts décoratifs. Il commencera par le vitrail avant de se tourner vers la céramique. Et va rentrer pleinement dans cet esprit du temps. C'est pour ça que j'ai choisi cette citation de son ami Edward Burne-Jones, qui qualifiait De Morgan « the rare spirit of his time » pour expliquer que c'était à la fois un homme fin, élégant, distingué, un esprit élevé, mais puissamment ancré dans les problématiques de son époque. Parce qu'il faut savoir que William De Morgan, il a connu un succès, notamment dans les cercles pré-raphaélites, grâce à ses productions d'objets décoratifs et de céramique. Il n'a pas connu un succès commercial, puisqu'il a été toujours en proie à des difficultés financières et qu'il a dû finir par fermer sa poterie. En revanche, il a été reconnu dans la dernière partie de sa vie comme auteur de romans qui sont en très large partie oubliés de nos jours. Voilà, alors je vous montre ici rapidement ces 66 carreaux de revêtement mural, également par William De Morgan, pour William Morris, pour vous parler un peu du début de la carrière de De Morgan céramiste, qui au départ travaille à une approche relativement architecturale, je dirais, de la chose, puisqu'il travaille principalement sur des carreaux de pavement, que ce soit pour le sol ou pour les revêtements muraux. Dans ce travail, on y trouve déjà les deux grandes influences qui sont relativement classiques dans ces cercles-là, à cette époque-là, pour le renouveau de l'art qui est souhaité par ses protagonistes, qui sont à la fois l'influence de la tradition médiévale anglaise et britannique, alors telle que les hommes de cette époque-là la voient et la conçoivent, plus forcément nos standards, et l'influence évidemment de l'Orient avec un grand O, dont les contours ne sont pas toujours faciles à définir, mais qui pour Morgan est quand même relativement clairement un Orient, je vais dire persan, avec tout ce que cela peut véhiculer de mythe pour un homme de la fin du 19e siècle. Donc dans cet ensemble de carreaux, et dans ce carreau isolé avec le dodo, un petit animal sympathique. Je voulais aussi vous le montrer parce qu'il fait écho à nos aigles et qu'il est assez emblématique du bestiaire que De Morgan va développer, puisque c'est une de ses grandes sources d'inspiration pour ses décors de céramique, et qui est totalement dans l'idée de la réinterprétation des traditions anciennes, qu'elles soient anglaises, européennes ou orientales. Alors voilà, on va en revenir à l'objet de nos débats ce soir. Avec ces deux plats qui sont séparés par un peu moins de 1000 ans tout de même entre les deux périodes de création. Bon, d'une part, ça montre la tradition céramique quand même et sa formidable capacité à survivre au siècle. D'autre part, ça permet d'expliciter un peu, puisqu'on réfléchit sur le temps à travers ce cycle et à ce que c'est que l'inspiration, hommage, pastiche, réinvention, ça permet d'évoquer aussi la démarche de William De Morgan, qui, à travers des écrits et des conférences qu'il a données, a expliqué, il a été beaucoup célébré pour ses travaux quasi scientifiques sur la manière d'obtenir le lustre métallique. Et évidemment, les hommes de cette époque avaient en tête les exemples illustres à la fois de l'Orient et notamment de la Renaissance italienne. Et De Morgan était soucieux d'expliquer sa dette, je dirais presque spirituelle vis-à-vis de ces exemples qu'il admirait beaucoup, mais en même temps très, très décomplexé, je crois qu'on pourrait dire, par rapport à l'héritage du passé, où il expliquait que finalement pour lui tout ça n'avait pas beaucoup d'importance et qu'il ne voyait pas pourquoi chaque créateur n'était pas considéré dans son unicité et que plutôt que d'être dans une logique de filiation entre les siècles, il était plutôt dans l'idée de s'inscrire dans une constellation de beaux esprits capables de fabriquer de belles choses. C'est dans cet esprit-là que je vous invite à regarder cette comparaison. Alors, je ne vous ferai pas l'injure de vous dire que le motif présente éventuellement, évidemment, des similitudes, puisqu'on a un aigle toutefois. Je crois que on voit que De Morgan a pu
enfin, qu'on peut dire qu'il s'est inspiré de ces modèles anciens autant qu'il a su s'en éloigner. C'est-à-dire qu'on reprend le motif de l'aigle, qui en plus est un motif extrêmement chargé depuis les époques les plus anciennes. En général, c'est l'apanage des rois et des divinités, et c'est un synonyme de puissance. En même temps, De Morgan est capable aussi d'y développer une légère ironie, parce qu'on ne sait pas trop si ces aigles sont là pour triompher du serpent qu'ils ont attrapé et qu'ils tiennent dans leur bec, ou s'ils sont contraints par la forme même de l'objet qui les enserre quand même assez fortement et ils sont contraints de poser leur serre sur les rebords extrêmes du plat. C'est à mon sens là toute l'imagination de De Morgan qui s'exprime. Alors, j'ai parlé de l'influence fondamentale des artistes de la Renaissance italienne et des créateurs des majoliques pour De Morgan, d'autant plus qu'à partir des années 1890, il passe pratiquement la moitié de l'année près de Florence, en Toscane, où il a l'occasion voilà, d'étudier ces objets, d'en voir de nombreux exemples et quelque part de se fondre un peu dans cet idéal de vie italienne qui est aussi très, très mythique pour les hommes de cette époque. Donc voilà, juste pour l'anecdote, je vous ai choisi une majolique qui représente l'épisode de l'enlèvement de Ganymède et qui montre donc Zeus sous la forme d'un aigle enlevant le jeune homme. Voilà, cette influence de la Renaissance qui s'est traduite plus rarement de manière très littérale dans l'œuvre de De Morgan avec ce plat au putti qui est plus explicitement une citation des œuvres de la Renaissance et plus souvent dans des œuvres empreintes d'un certain syncrétisme comme c'est le cas dans la coupe au navire avec un fini irisé dont il était très fier, qu'il appelait le fini clair de lune et qui a fait une grande partie de sa renommée. Voilà, donc je voulais conclure ce très bref tour d'horizon de la carrière de ce créateur avec une citation d'une de ses conférences où il met en valeur que « the spirit » est supérieur à la technique et que malgré tous les compliments qu'on a pu lui faire pour ses découvertes et ses avancées techniques, ses récompenses, l'aide apportée au redressement de l'industrie britannique, de la céramique, finalement, pour lui, ce qui comptait, c'était d'être inspiré et que cette inspiration-là, elle transcende le temps. Voilà.